Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à 18 Wheelers Megan Pro Trucker sur Game Boy Advance, pas du tout, sur Dreamcast. J'ai pris une version sous-titrée japonais, du coup c'est magnifique, mais ça n'aurait pas trop posé de problème pour comprendre le jeu. Donc, on dirige un camion qui va devoir transporter un chargement d'un point A à un point B. Le but étant qu'on commence à New York et qu'on arrive en Floride, et je crois même qu'on peut même aller à San Francisco, Las Vegas, enfin il y a différents trajets. C'est tiré de l'arcade bien sûr, ça a été développé donc pour la Dreamcast. Il y a une version je crois GameCube et PlayStation 2 en 2001, et une autre version qui est sortie aussi sur la fin de vie de la Dreamcast en 2002. Alors on a plusieurs modes, le mode arcade, mode parking, score attack, versus les options bien sûr, et le net ranking. Alors ça, le net ranking, bah, je vais faire rapidement un tour là-dessus. Puisque, comme vous le savez déjà, la Dreamcast avait un port modem 33K et du coup permettait d'aller sur Internet. Ce qui était donc pas très nouveau au niveau des PlayStation 3 ou Xbox. Hein, la PlayStation 2 avait un modèle Ethernet, on pouvait rajouter sur la PlayStation 2 ou fournir dans la PlayStation Slim, PlayStation 2 Slim, et la Dreamcast, elle avait tout par défaut. Sachant que la Saturn aussi avait un petit module net aussi. Bref, c'est un autre débat. On va aller dans les options rapidement. On peut changer la difficulté, mettre la vibration, sauvegarder, charger, je le dis en stéréo. Alors moi je vais mettre en easy, tout simplement, parce que tous les jeux qui sortent d'arcade en général sont difficiles à la base. Donc, pour cette partie-là, on va mettre en easy, histoire de vous montrer le plus possible. On va faire directement le mode arcade pour le moment. Donc vous pouvez traduire en bas, hein, ce qui est écrit bien sûr. Mon dieu, c'est parti. Alors comment on joue chaque jeu d'arcade? Je comprends pas pourquoi ils font ça. Ils mettent toujours un compteur de secondes alors qu'on n'est pas sur une bonne d'arcade, donc en fait on s'en fout. On a différents camions que l'on peut choisir. Écoutez, on va prendre. Celui-là, tiens, le Streamline. On va donc transporter d'un point A à un point B, on a un rival. On a un bonus de temps, voilà, si on rentre dans ce genre de véhicule. Il y a un autre petit détail, c'est qu'on peut aussi utiliser le klaxon, qui nous permet parfois de mettre des voitures devant nous, bah, on va dire, dans un sens assez bizarre, et ça nous permet sur le slipstream, c'est-à-dire on reprend de l'aspiration pour aller un peu plus vite. Alors j'espère que le son sera pas trop fort, sinon on va le baisser évidemment. Parce que j'ai fait pas mal de réglages sonores à cause de l'histoire de la télévision et j'ai peur de... Ok, donc ce qu'on va faire direct, c'est qu'on va baisser un peu, parce que je pense que le son est trop fort. C'est un tout petit peu, voilà, pause. Et nous sommes partis. Alors, j'accélère avec les gâchettes arrière. Regardez, l'intérieur du camion est très très bien fait. Voilà. Donc je peux tourner aussi avec la croix ou avec le joystick. Regardez le petit détail quand même, à l'intérieur on a le calepin qui se barre au fur et à mesure. On monte la vitesse puisqu'on peut gérer la botte de vitesse. Vous pouvez voir la botte de vitesse en H, enfin ici en H il n'y a que 3 vitesses, donc enfin il y a la marche arrière et 2 vitesses. Donc ça n'a pas d'intérêt. On peut voir notre chargement à l'arrière. Alors on a un score, hein, 12 000 $, en sachant que si on se fait rentrer dans le chargement, ben le chargement perd de la valeur. Donc voici notre rival, le but c'est de finir devant. Là j'ai Slipstream, il active le Slipstream, ça me permet d'aller un peu plus vite. Regardez, j'ai gagné la vitesse. J'ai essayé de passer par là, tiens, pour une fois. Je dis pour une fois parce que... off, j'avais essayé de passer ailleurs, regardez-moi ça. Complètement dans le décor. On peut sortir, on va aller au checkpoint. Alors ce qui est génial avec ce jeu, c'est qu'on peut vraiment faire presque ce que l'on veut. Je dis bien presque parce que tout n'est pas. On peut pas non plus. C'est pas un GTA quoi, on peut pas non plus aller partout. Je vais rentrer dans le camion pour gagner des secondes. Et voilà, tout est destructible quasiment, c'est vraiment génial. Et donc si je finis devant mon rival, je vais avoir un bonus. Et on va essayer de le passer, voilà. Je crois que le checkpoint est pas loin. Et normalement j'ai une touche. Voilà. Permet des fois de décaler un peu. Je vais essayer de me faire pousser par lui. Genre 3 secondes de plus. Ouf.
Je suis arrivé à 0 seconde, hein, ce qui est nul en fait. On a perdu beaucoup de temps en début de relais. Et donc le but c'est d'arriver avant le timeout, de marquer le plus de points et bien sûr de finir devant le rival qui nous fait gagner de l'argent. On va arriver dans la deuxième partie du circuit et on a le bonus parking challenge, donc on doit démarrer et se garer en 30 secondes sur la place de parking. Donc là il faut tourner en 29 secondes. Et là j'ai perdu déjà de l'argent, bon c'est pas grave. On va freiner. Ah, on est parfait là. On s'est arrêté au bon endroit. Alors, ranking B, on a 14 secondes, on a perdu 100$ parce qu'on a cassé. Et on a réussi à débloquer une nouvelle... horde en fait, un... Comment s'appelle, un klaxon pour notre bus. Je sais pas trop comment ça se passe, je vous avoue j'ai à peine joué au jeu, hein. Comme d'habitude, j'aime bien découvrir en même temps, donc j'ai fait juste en sorte de voir si le jeu marchait bien. Donc là on peut choisir un chargement en difficulté difficile ou en difficulté normale, donc j'imagine que ça va être plus compliqué à gérer, on va prendre la normale pour le moment. Et ce qui est marrant c'est qu'il y a une vraie marque de voiture sur le, sur le chargement, vous allez voir quand vous êtes en vue de derrière. Il va y avoir une vue, il va y avoir une Audi en fait. Voilà, alors je crois qu'on peut faire un meilleur départ, mais j'ai pas réussi encore. Allez, le chargement derrière qu'on peut voir. Alors vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est quand même bourré de détails. On va changer la vue évidemment. J'aime bien cette vue. Voilà, on a une petite Audi en haut. On va avoir notre ennemi qui va arriver, voilà, qui a tout pété, c'est génial. Là, je change la vitesse rapidement. Il faudrait que je fasse du slipstream pour gagner de la vitesse. Écoutez-moi ce bruit de... ce klaxon. Allez, le slipstream pour gagner de la vitesse, c'est parti. Olé. Alors, faut faire gaffe parce que là, on s'en inverse. Et j'ai cassé un peu le transport, mais c'est pas grave. Allez, on va tourner. Alors, je sais pas trop ce qu'il dit. Je vous avoue, c'est de l'anglais... enfin, américain. C'est de l'anglais, type... avec l'accent américain. Et c'est très difficile en général de... Ah, j'essaie de récupérer les 3 secondes là, voilà. C'est assez difficile de suivre... Ouh, ça tourne très mal ici par contre. Est-ce que je vais aussi avoir le checkpoint? C'est bon, je l'ai eu. Alors en revanche, je sais pas trop comment faire pour... Je sais pas trop comment faire pour avoir... la vitesse. Apparemment il faut aller tout droit. Et notre rival nous a démonté. On va essayer de prendre le slipstream sur lui. Non, on est trop loin. Oh regardez, il y a une tornade. Il y a une tornade qui balaye tout sur son passage. Je sais pas si ça va nous aider derrière la tornade. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Voilà, il y a des camions partout. Bon, on est passé. Ah, si on peut venir devant, devant la tornade, ce serait pas mal. Ah, il y avait un slipstream, mais je crois que je l'ai raté. Oui. Ah, il m'a poussé. Heureusement qu'il m'a poussé parce que j'étais en dehors du temps limite. Alors j'ai réussi, du coup c'est la première fois que je vais aussi loin, je vous préviens. Du coup j'ai réussi à passer ce checkpoint, bien aidé par mon rival. Paradoxal de dire ça. Allez, c'est parti. Go. Donc là pareil, il va falloir tourner au mieux pour... Voilà. Un peu de vitesse, l'intérieur ça passe, et on va essayer d'aller vite, et là on va s'arrêter maintenant. Ah merde, j'ai pété tout. J'ai cassé les caisses. Bon, du coup on n'a pas beaucoup de technique, time bonus moyen, on a pété des trucs, et j'ai débloqué, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est les extracteurs, enfin c'est les pots d'échappement en fait, hein. Sauf que je sais pas pourquoi sur les camions ils sont là, ils sont en hauteur, j'ai jamais compris le délire. Alors on a deux trucs, on a le Big Rig ou le container classique. Je, pour l'instant je prends le classique parce que vraiment étant ultra mauvais, j'aimerais pouvoir montrer le maximum. Et je pense que déjà on va arriver vers la fin parce que yeah, ça va être difficile. Ah, j'ai raté mon départ. Alors, Millennium Express. Donc, on a que deux vues par contre, hein, vous remarquez. J'aime beaucoup les petits détails de la vue embarquée, vraiment. Avec les petits trucs qui bougent sur le côté, enfin, c'est pas mal. Alors, pourquoi 18, je sais pas. Pourquoi 18 Wheeler, est-ce que c'est un rapport, quelque chose? Aucune idée.
Est-ce que je peux faire un slipstream? Ouais, voilà, shift up. Allez, vas-y, toi, tu veux faire un slipstream, s'il te plaît? Oh là, il faut vraiment que j'arrive à le suivre. Normalement... Voilà, je peux utiliser ça. Alors, vous voyez, j'ai customisé l'avant de mon... Enfin, la sortie d'échappement de mon camion. Est-ce que je peux prendre le slipstream? Oui, j'ai réussi. Voilà, quand on reste derrière un véhicule, on peut prendre... Oh, chargement qui commence à prendre cher, du coup. Est-ce que je peux prendre de la vitesse en restant derrière lui? Moi, je devrais pouvoir. Ah, j'ai essayé de prendre l'inspiration sur l'autre camion, mais ça n'a pas marché. Je pense que je vais pas réussir. Ah, j'ai plus de checkpoint, on va essayer de passer par là, même si c'est en sens inverse. Ah, là, il me dit shift down, donc on va changer la boîte de vitesse, on est en low. J'ai pris un camion dans la tronche. Non, oui, donc ce que je dis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont destructibles au niveau du décor. J'arrive pas à passer. Je vais prendre une bagnole. Le chargement il prend cher, c'est pas grave. Et il va me pousser, il va me pousser, il va me pousser. Ça peut m'aider. Oh, on est trop loin, on est trop loin. J'ai même pas à avoir de slipstream. Oh, le checkpoint était même pas là. Pas réussi à le voir. Alors, on peut faire continuer, on va faire start, on va tenter peut-être une fois. Je sais même pas combien de continues on a, si on en a 10, 1 ou 0, enfin, je sais pas du tout. On va voir, parce que là, on est quand même sur la version console, donc ça, je trouve ça un peu bizarre d'avoir des systèmes d'arcade qui restent présents sur des consoles. Oh, le départ était vraiment horrible. Voilà, faut vraiment que je comprenne le système de stream, de slipstream, donc l'aspiration, ça pourrait m'aider à aller plus vite. Là, typiquement, alors on a un camion, on va essayer de se mettre derrière, et on va voir si on peut prendre de la vitesse grâce à ça. Bon, oui, il va débarquer, évidemment, comme un bourrin. Voilà, la slipstream, je l'ai. Voilà, on a pris un peu de vitesse, ça c'est cool. Est-ce que je peux prendre un slipstream sur le collègue? Ouais, c'est bon, pas le collègue, le rival, c'est bon. Bon, le problème que j'ai, c'est que là, j'ai pas assez de... Là, j'en pourrais un slipstream sur lui. Je vais pas réussir. Faudrait que j'arrive à le suivre, en fait. Je pense qu'il peut m'aider, mais... Ah oui, la luminosité change aussi pendant la partie. J'arrive pas à prendre l'inspiration quand je suis dans un virage. On va essayer de prendre le plus 3. Voilà, j'ai gagné 3 secondes, c'est toujours ça de prix. Allez, lui, va essayer de m'aider parce que il faut vraiment que j'arrive à me caler derrière lui. Alors il peut m'aider, mais il peut aussi me gêner. Là on a un camion, on a un bus, est-ce que je peux prendre de la vitesse grâce au bus? Eh non, ça me fait rien. Alors je vais réussir. C'était vraiment chaud. On était à la dernière seconde. Et je précise qu'on est en mode facile quand même. Enfin, je vous l'ai vu, mais... En mode normal, mais je crois que je n'ai même pas réussi à passer le deuxième checkpoint en fait de la première map. J'arrivais toujours en retard. Ok, alors là je vais essayer d'avoir un bon départ, ça serait cool. Ah, reverse gear. Comment on fait reverse gear? Je crois que je sais même pas comment on fait reverse gear. Comment on fait? Low high, reverse. Ok, je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. Heureusement, j'ai perdu du temps. Oh, qu'est-ce qu'on est lent, qu'est-ce qu'on est... Oh, évidemment, bah oui, j'ai fait l'erreur classique du débutant. Ah, j'ai échoué lamentablement. J'aurais pas eu tourné. J'ai tourné dans le sens inverse. Et oui, parce qu'il y a une inertie qui est différente quand on tourne la droite, par exemple la remorque va se mettre à gauche et c'est inversé en fait.
Alors, Las Vegas to San Francisco. Oh, on est quasiment à la fin. On a le Dan Trailer. On va essayer. On va essayer. Changement que son. Ok, donc là on a un camion, on dirait un camion poubelle, un camion je sais pas ce que c'est. 82 secondes pour San Francisco. Et oui, donc le décor a changé, la map a changé. Bon, le jeu m'a l'air pas forcément très long. J'ai pas l'impression qu'il soit super long. C'est souvent le cas des jeux d'arcade, hein, puisqu'on a tendance à mourir tout le temps, enfin en tout cas de perdre tout le temps, donc on recommence en boucle en boucle. Et c'est pour ça que du coup. Ah, je vais essayer de mettre derrière lui, on prend l'aspiration. Allez, vas-y, l'aspiration. Alors, quand je prends l'aspiration, en fait, il faut pas que je. Texaco, carrément sponsorisé par Texaco, le jeu magnifique. Je fais gaffe. Je sais même plus ce que je suis en train de dire. Bon, j'ai pris de la vitesse. On a un time plus 3, on va essayer de le prendre. Voilà. J'ai pris un peu de slipstream. On a les flics! Je sais pas si ça change quelque chose. Non, on va passer par là. Alors peut-être que je pourrais aller tout droit, hein. Je l'ai pas fait, mais. Attention au rebord. Je pense que je suis pas mal là. 125, 126, donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Aïe aïe aïe, le choc énorme là. Le slipstream, je vais pas réussir à l'avoir maintenant. Ah si, je vais essayer de me caler derrière lui. Ah, ah, bah, bah. Aïe aïe aïe, le chargement. Allez, la slipstream. Allez, petit boost avec le slipstream. C'est très court le slipstream, mais. Mais ça marche pas mal. Et regardez, on a San Francisco. C'est énorme, c'est la descente. Oh yeah. Alors non, par contre le camion ne s'envole pas, hein, vous l'avez vu. Est-ce que je vais réussir à le battre là? Ah, j'aime bien cette vue aussi, mais elle est vraiment beaucoup plus difficile à utiliser. Bon, ma rampe fait 15 000, enfin mon dump trailer fait 15 000 encore en valeur, ça va, c'est pas mal. Alors par contre je sais pas du tout si je suis rapide ou pas, j'en ai aucune idée. Oh, il y a du bonus là, il y a du bonus à prendre. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oh non, non, non. Time is up. Ah, dommage. J'avais les deux bonus en face. Allez, on va retenter une fois quand même. Parce que je me suis planté lamentablement. Ah, les deux bonus, je les avais en face, mais j'étais pas assez rapide. J'ai pas fait le bon slipstream au moment. Ouais, bon, accélère à fond, ça change rien en fait. Allez, on va repartir. Je vais essayer de faire un peu mieux. C'est... Je trouve que j'ai plutôt fait un truc correct. Alors, je vais voir si ça va être facile de faire mieux ou pas. Parce que pareil, la route, j'ai l'impression qu'on pouvait aller par-dessus à un moment. Allez, shift up. Voilà, c'est bien. Il va me pousser. Parfait, pousse-moi. Moi, fais-toi plaisir. Voilà. Attends, vas-y, passe comme ça, je vais pouvoir prendre du slipstream. Voilà, là on a pas du slipstream encore. Bon, c'est vrai que j'aurais pu aller à droite, en haut, mais je pense qu'on peut pas, enfin, je pense qu'on va pas pouvoir. Alors si je freine un peu, voilà, je le prends un peu mieux, mais c'est vraiment léger. Oh, en plus il m'envoie des caisses. Bon, le problème c'est que j'ai pas réussi à prendre le slipstream, donc je pense que j'ai beaucoup de retard. Ouais, j'ai 3 secondes de retard par rapport à tout à l'heure. On va quand même essayer de passer là.
Ouais, c'est bon, on est mieux passé. Du coup, on va passer par là. Voilà, on est bon. Alors, on va essayer ce qu'il y a derrière lui. Alors, j'ai freiné un peu, mais ça a pas trop marché. Allez, le safe stream. Ah, j'ai échoué encore. J'ai échoué encore. Aïe 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 aïe, j'ai pas eu trop de temps au début. Bon, allez, petite dernière tentative. Et puis après, on passera à la suite, c'est pas grave. On va essayer encore une fois. Par contre, je sais absolument pas comment faire un bon départ. Si c'est possible d'en faire. Parce que si je faisais un bon départ, franchement, je pense que je gagnerais pas mal de temps. Quelque chose me dit que c'est encore échoué. C'est pas grave. Alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez, il change de vitesse automatiquement, mais des fois, il me demande de changer la vitesse. Ah, parce qu'on est en 3 vitesses low et après, j'ai vitesse high. Ok, je viens de comprendre. En bas à droite, vous voyez, les 3 petits points orange low, et dès que j'ai passé au-dessus, il va me dire de changer la vitesse. Voilà, je passe, et je me fais pousser, c'est parfait. Enfin, se faire pousser, je sais pas si c'est la bonne solution, en fait, parce que le système m'a l'air d'être quand même beaucoup plus efficace. Par contre, ce stream est vraiment très léger. Voilà, je l'ai encore. On va essayer de passer sur le côté. J'ai eu ce stream en passant, c'est magnifique. Ok, nickel. Bon, j'ai pas l'impression d'être en avance par rapport à l'heure ni en retard, c'est un peu entre les deux. On va prendre le stream ici. Ok, il aura soupé, il faut vite passer par là. Voilà, comme ça, je vais prendre le slipstream sur lui, si je peux, parce que là, il casse tout. Ah, voilà, là, il va falloir freiner d'un coup. Allez, non, non, passe. Oh mon dieu, il m'a fait perdre du temps. Ah, ouais, non, c'est encore pire là. C'est encore pire, vas-y. Oh là là là, qu'est-ce que je suis loin. J'ai un peu slipstream et ça va être difficile de faire mieux. J'ai totalement raté mon virage. Le problème de prendre un slipstream juste derrière un camion, c'est qu'on prend d'un coup. Oh non, mais c'est pas possible. Oh, comme il a fait voler la grue. La grue, n'importe quoi, la citerne, pardon. Là, j'ai une bonne vitesse de pointe. Oh, je doute que ça puisse changer grand-chose. Bon, allez. Vas-y, passe. Aide-moi un peu, toi. Ah, je vais encore échouer sur le time plus 3. Malheureusement, c'est pas passé. Bon, c'est pas grave. Mais écoutez, tant pis. Il faudra que vous réussissiez vous-même, hein, si vous voulez voir la suite du jeu. On va sortir, on va attendre le press continue, voilà, pour arriver au mieux au menu. Bon, plutôt fun. Assez difficile, mais plutôt fun quand même. Ah bah voilà, on a fait un score. Allez, c'est parti. Le score qui ne sert à rien, bien sûr. Game over. Le vision start? Ah oui, c'est bon. Alors, le mode arcade c'est bon, le mode parking, on a le score attaque. Je sais pas ce que c'est, on va voir ensemble. Le parking, bah, vous l'avez vu, c'est pour se garer hein, en temps limite et faire les meilleurs scores. Alors, on a le Asphalt Cowboy qu'on n'a pas testé, on a le Highway 4, le Longhorn, le Streamline qu'on a fait. Et on a que ça. Je vais prendre le Highway 4. Qui a l'air d'avoir beaucoup de vitesse. Bon,
pas forcément beaucoup de... Je sais pas ce que c'est torque. J'ai oublié ce que ça voulait dire en anglais. On a le fuel tank. Alors voilà, donc là on a la longueur. Log trailer, container, big rig, dump trailer, cable car. Ah oui, carrément. Un truc de fou. Bah là on est fou, on va tenter ça. On va tenter le premier stage en ovale avec le truc le plus gros. On verra si ça change quelque chose. Alors j'ai pas ressenti vraiment beaucoup de différence de pilotage suivant ce qu'on portait derrière, mais bon. Bonus car, ok. Bon, je vous avoue, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Oh, ouais, c'est qu'on est tellement chargé, hein, comme une mule. Et à 290 secondes, cette fois-ci. Alors, on a un véhicule bonus qu'on va utiliser ici. On va essayer de se prendre tous les véhicules bonus dans la tronche. Comment c'est hors du monde sur la route? Par contre, ouais, j'allais dire, j'ai pas de... Ah oui, j'ai cassé une voiture. Oh là là, du coup, j'ai pas eu 500$. Ouais, en plus c'est 500$ pénalité quand on crash une voiture et c'est 100 seulement de bonus quand on réussit à en toucher une qu'il faut. Du coup, il n'y a pas intérêt à se foirer. Allez, bonus là, on l'a. Ah, il a pris le bonus malheureusement. Il va tous les prendre. Voilà, merci mon gars. Un petit bonus là. Voilà, on passe au-dessus des 15 000, c'est déjà ça. Les véhicules qui font n'importe quoi. On sait même pas pourquoi il y a des voitures autour de nous, puisque de toute façon... Oula, là, je sais comment, là. Puisque... Je sais plus ce que j'allais dire. J'allais dire pourquoi il y a des voitures, oui, en plein milieu. Bon, là, ils sont tous crashés, donc je vais pas y aller. On va observer un petit peu l'intérieur du cockpit. Donc là, on a des sortes de plumes. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus, quoi? Ah, quand on se le prend plein de fois, on prend des bonus, en fait. Si on crache le bonus une fois et qu'on revient dessus... Vous voyez? 800$. Oh là, c'est génial. En fait, il faut enchaîner le plus longtemps le combo pour gagner plus d'argent. Ok, bah c'est parti. On va essayer d'enchaîner le camion là. Ah, malheureusement, il va me prendre avant. Ah, salaud. Ah, j'ai un bonus. On est presque à la fin. Bon, on est arrivé, je pense pas qu'on ait gagné, hein. Je sais pas, j'ai des gros doutes quand même. Donc du coup, on a fait un total de... 10... Voilà, timer bonus, donc on a x100, ça c'est bien. Je sais pas si c'est censé être bien. New Wrecker. Ah ok, je peux changer mon pseudo. Ça sert toujours à rien, mais on va le faire. Voilà. Ok. Game over, yeah. Non. Ça aurait été drôle. On va revenir en arrière. J'ai fait... Oui, c'est bon, j'ai fait le bon. Bah, le parking, on l'a vu. Donc, je sais pas si on va découvrir d'autres trucs sur le mode parking. On a pas pris le tout premier, donc on va le prendre. Stage 1, stage 2, stage 3... Stage 4. On prend le stage 4. Mais je pense qu'on l'a déjà fait. C'est celui qu'il fallait en marche arrière. Ah non! Parking chain stage 4. Alors 2 minutes 20. Ok, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le mode qu'on a fait avant. Ah oui, non, mais évidemment, c'est sûr que je suis pas dans la bonne vitesse. On va pas aller loin. Alors là, j'ai que deux vues par contre, hein.
Ok. Je pense que j'ai pas eu tout compris. On va retenter une fois. Je suis mal garé, je pense qu'il faut vraiment te mettre entièrement le chargement, sinon il accepte pas. Allez, c'est parti. Ah, ça démarre beaucoup mieux. Ça a mis trop de time up. On a une petite carte aussi en bas, j'avais pas fait gaffe. En bas à gauche, qui me permet de peut-être de mieux. Voilà, on va se mettre comme ça. Et 19 secondes, 26, donc on a réussi. Ah, il faut zérer là-bas maintenant. Ok, on peut prendre ça. Oh no, 6 second penalty, no. Eh ben j'ai pas fini, j'ai pas réussi. Oh, pourtant j'étais garé, je comprends pas. Bon, c'est un time-up. Écoutez, bon c'est pas grave, de toute façon, je vous ai montré un petit peu, c'était le principal. Donc du coup, qu'est-ce que je pense du jeu? Bah c'est un jeu plutôt fun, franchement, on va se le dire. Je pense qu'à l'époque ça doit vraiment être cool. Même si ça a extrêmement vieilli maintenant, mais bon. Les décors sont bons, le maniement, y'a rien à dire, hein, c'est de l'arcade pure. Après, est-ce que le jeu vaut le coup sur la durée? J'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y a un mode versus, ça peut être marrant d'essayer ça en multi. Faudrait voir si quelqu'un veut faire avec moi. Au moins tester. Voilà, mais j'ai pas l'impression qu'il y a non plus une grande durée de vie. Mais je peux me tromper. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.